Bonsoir, bonsoir tout le monde. Euh, J'espère que vous allez bien. Alors euh, un petit live parce que j'ai vu passer l'information. J'étais pas dispo au moment où ça s'est fait, mais Mercedes a révélé son EQS qu'on avait pu déjà voir dans des photos spy shot Et donc je vous propose de pouvoir le regarder ensemble. C'est sur le replay de Mercedes-Benz. Je pense qu'on va le regarder ensemble si ça vous intéresse. Et puis après on en parlera. Je vais essayer de le commenter. Euh, pas vraiment pendant que ça parle. Je pense qu'ils vont raconter pas mal de choses et puis comme ça on, on pourra en rediscuter. Bonsoir tout le monde qui est avec nous. Alors on a Tesla F, <laughs> on a Didier, on a Marc D, Jean-Luc, il euh, y a NLS officiel, Pierre. Bonjour bonjour. Ouais, donc un live que je ne m'attendais pas à faire, honnêtement. J'ai vu ça passer tout à l'heure. Bonsoir tout le monde. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Euh, juste pour vous dire que demain devrait sortir la vidéo de la Dacia Spring. Mon premier essai de la Dacia Spring va arriver demain. Et après, il y aura euh, samedi l'essai sur autoroute. Donc demain, euh, j'ai récupéré la voiture à Cannes. Je suis parti en montagne avec. Je suis après parti au bord de mer jusqu'à Puget sur Argence. J'ai chargé en charge rapide. Et de là, j'ai fait une première vidéo. Et après, je suis parti faire un essai de 100 km sur autoroute. Donc ça vous fera deux vidéos. J'étais obligé de faire un petit peu rapidement parce que j'ai eu la voiture que pendant une journée. Mais j'espère que ça vous plaira quand même. Euh, salut, salut, bonjour. Il y a Sébastien qui vient d'arriver. Jade, Christophe. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes intéressé par cette Mercedes Est-ce que une nouvelle Mercedes, une berline qui apparemment est top luxe, euh, ça peut euh, vous intéresser, en tout cas vous faire rêver. Je ne pense pas que ça soit pour nous, commun des mortels, mais on va regarder à quoi, à quoi ça ressemble, pourquoi pas. En tout cas, que Mercedes se lance enfin avec une voiture qui est une plateforme dédiée pour la voiture électrique qui pourra servir pour d'autres modèles euh, moins chers et plus abordables, c'est quand même assez intéressant. Euh, c'est toujours avec. Euh... <laughs> Merci beaucoup. Euh, si vous avez vraiment un, si vous avez un message à me faire parvenir directement, mettez bien le A Tesla Riviera, comme ça je vois que c'est de, de, à moi qu'on parle. Est-ce qu'il y a la charge rapide sur la Dacia Oui. Ouais, il y a la charge rapide, c'est 30 kW. Et euh, vous allez voir, euh, ça marche plutôt pas mal sur un chargeur rapide. Bonsoir, du Mans. Bonsoir, le Mans. Euh... Je la trouve superbe, ouais, ouais, elle est bien. On va regarder après. Euh, je suis en même temps sur euh, sur le site du euh, automobile propre pour voir. Ils ont déjà fait un article parce qu'ils ont lancé ça il y a quelques heures Mercedes. Mais on va regarder ça ensemble. Alors, on est on est une petite cinquantaine là. Bon ben, les gens, nous reprendrons le train en route. Est-ce que ça vous dit euh, Marquez-moi. Ok, oui, go go go. Si vous êtes prêts euh, pour regarder, je crois que la vidéo dure une petite quinzaine, vingtaine de minutes. On se regarde ça ensemble et on en parle si ça vous va. J'attends que vous soyez prêts, chaud, vous me donniez votre go et on va regarder ça ensemble. Voilà, ouais, la Dacia Spring devrait faire un carton, je l'espère. Euh, J'espère que vous serez nombreux à regarder ma vidéo. Donc euh, pour ceux qui viennent d'arriver, demain demain matin dans la matinée, il y aura la vidéo de la Dacia Spring premier test et ça sera samedi pour le test sur autoroute. Allez, on me dit go. Euh, allez, c'est parti. Salut les énergies renouvelables. Coucou. <laughs> J'espère que tu vas bien. Allez, on y va. On va basculer là-dessus. Hop. Je mets mes oreillettes. Les écouteurs qui vont bien. Et... On va regarder, voir ce que ça raconte cette nouvelle Mercedes. Assez, je suis assez intéressé pour voir si on a des infos sur la technologie. J'espère qu'on aura plus d'infos que l'autre jour hein, avec euh, Hyundai. Ils sont pas trop foulés. On va voir est-ce que Mercedes a fait mieux. Attention, c'est parti. Je lance la vidéo et je mets mon micro un petit peu moins fort. Vous me direz dans la vidéo si vous voulez que je commente en même temps ou pas, mais en général, euh, je pense que, que vous préférez écouter et puis on en parle après. Allez. Let's go. Dites-moi si vous entendez par contre. Welcome, everybody, to the world premiere of the new EQS. In fact, we got several premieres for you today. You're about to witness the arrival of our first ever all electric luxury sedan, purpose designed on our brand new dedicated electric architecture, and offering a revolutionary way of digital interaction with the MBUX hyperscreen. The EQS is designed to exceed the expectations of even our most demanding customers because that's what it takes for a Mercedes to earn the letter S in its name. And we don't award this letter lightly. We believe the EQS combines sophistication, sustainability, high tech and style like no other car out there. A zero compromise EV. But of course, we want to know what you think because this is for you world. is spinning round This should never end Let the dream Here it is, the new EQS. This car is a true turning point. It marks the start of a new era at Mercedes Benz. Many teams across our company have worked extremely hard to make this a reality. And for us, the EQS is so special because it's the first Mercedes designed from the ground up as an electric vehicle. And it's not just any vehicle, it's an all electric luxury sedan. On an S-class level. What does that mean for you as customers? First of all, you get great range, up to 770 kilometers WLTP. And it comes with more interior space than any other electric luxury sedan out there. It simply is a true Mercedes-Benz. Just look at the MBUX hyperscreen. See how seamlessly the screen blends in with the beautiful living space. Inside this car. Using it is a whole new way of interaction between humans and technology. On top, the EQS helps us to excel in reducing our carbon footprint. It goes well beyond zero emissions driving. The EQS battery and the entire car are also manufactured in Germany in a carbon neutral way. I'm now honored to hand it over to someone who joins us in envisioning. A more livable future for everyone on the planet. Straight from New Zealand, Mr. James Cameron. Wow, James Cameron is budget là-dedans. Through my films, I hope to inspire audiences to strive for a sustainable world where humans, machines and nature can learn to coexist. This message is more relevant than ever. and I'm glad Avatar has found a partner who believes in the same vision. Mercedes Benz. Mercedes joined us on this journey with the creation of the Vision A V T R, which we revealed together last year. This concept car was inspired by the values of Avatar's indigenous people, the Na'vi, who believe that we must not only limit what we take from nature but find ways to replenish what we use. And today, I'm excited to share that Mercedes is taking the next step towards realizing this vision. The EQS is an expression of what's already possible today to be, yeah. in terms of electric mobility, and it innovates not only for the sake of innovation, but with a purpose. The all new Eqs is not just an impressive vehicle. It's a commitment to a more balanced world. Here's Britta from Paris to tell you more. Mercedes Benz is striving to bring us all closer to a better, more sustainable future. And the EQS is a milestone of our plan to achieve a carbon neutral new car fleet. And we will fulfill our commitment to the Paris Climate Agreement even earlier than the EU requires. Our aim is to keep the impact on our planet to a minimum. We do this, for example, by using an increased share of recycled and regrown raw materials. We know how important sustainability is to our customers. And with the new EQS, achieving this in everyday life is much easier. For example, you'll be able to charge at no cost at all Ionity fast charging stations for 1 year after activation. And with Mercedes Me Charge, we offer one of the largest charging networks worldwide. Plus, we'll help you to minimize your carbon footprint with our new green okay, charging an, feature. And we ensure that as much clean power is fed back into the grid as your electric Mercedes takes to charge. Will also make driving in the city more efficient and convenient. With the MBUX parking service, we reduce the time you need to search for a parking spot. And of course, you can also pay via MBUX. This beautiful city of Paris not only stands for sustainability, but for style and luxury as well. These characteristics perfectly match with our brand. In the EQS, we bring them together in a completely new look. And talking about looks, let's hear from Gordon, of course, coming from the California sunshine. As designers at Mercedes Benz, it's all about desire. And desire is about two things beauty and the extraordinary. I'm a true believer in beauty. Whatever we do, it will be beautiful. But we also want to come up with extraordinary solutions. We call it the X Factor that surprises and enchants. Luxury brands always have a distinctive style. Beauty, boosted by the X Factor, defines our unique style of sensual purity. Along with the significant style of our aesthetic soul, we create desire. With the EQS, we have designed a new shape for Mercedes to define an entire new generation of luxury cars. The first of a new kind of one bow proportion. Flow defines the entire surfacing, the wave in the belt line and the powerful shoulder pushing the car forward. The seamless design of the EQS front end resembles a high-speed bullet. The Progressive, EQ face shows the black star panel with integrated headlamps and a light beam signature running through, which illuminates the front like a display. Electricity is also staged in the Helix light band of the rear lamps. In fact, with its new proportions, MBUX Hyperscreen, and a zero layer software, this car is clearly different from anything else we have ever developed. It's a dream of every artist to create the future. With the all new EQS, we have designed an extraordinary and beautiful car of the future. We created desire. Now let's take a closer look at the inner values of the EQS. Here's Marcus, not far away in Nevada. Here in the Nevada desert, our engineers put the EQS through its paces in harsh environments and they made it truly earn its star. Our entire team worked with great passion to the benefit of all you innovators out there. The result? The EQS is the first model based on our all new dedicated electric platform. It's scalable in all dimensions like wheelbase and track. This also goes for key system components. Such as the battery and electric motors. We will use this platform for all electric models at the top of our portfolio. This shows we mean business with our Mercedes EQ offensive. With up to 385 kilowatt of system power from two electric motors and all wheel drive, the EQS will be a blast to drive. For all performance lovers, we are also planning to offer a version. With up to 560 kilowatt wow, of system 560 power. Two of things in particular stick. define the technical DNA of Mercedes EQ the increased cell energy density of the battery and the in house designed software of its energy management system. The largest battery of the EQS has a usable energy content of 108 kilowatt hours. This package of hardware and software. Can get you up to 770 kilometers of electric range, WLTP. This range is also made possible by the car's benchmark aerodynamics. The EQS is the world's most aerodynamic series built vehicle with a drag coefficient of only 0.20. And with 200 kilowatt fast charging, you can regain up to 300 kilometers of range in just 15 minutes. This all translates a perfect balance of performance, efficiency, range, and ease of charging. And its technology goes beyond electric driving. The EQS sees virtually everything around it and becomes your co pilot, and therefore, get more comfort both on long distance trips and in big, busy cities. To explain, here's Sajjad from one of the most digital cities in the world, Shanghai. When it comes to technology, with the new EQS, we pulled out all the stops. So, let's talk tech. Our EQS will be able to drive by itself at level three. This is made by intelligent fusion of sensors such as lidar, multiple cameras, and radar, as well as the state-of-the-art software. Starting with the German Autobahn, our drive pilot will soon allow you to enjoy your ride in new ways. With just the push of a button, you can take your hands off the steering wheel in heavy traffic. This is also why we gave the EQS the largest glass display ever in a Mercedes. One day, this could be your home cinema on the road. Our MBUX highway ah ouais, screen is also one of the smartest screens we have ever put into account. Its brain and nervous system has 8 CPUs, 24 GB RAM and a 46,4 gigabit per second memory bandwidth. I'd like to with intelligence in many flavors. One of these is navigation with electric intelligence. This means the most efficient route. Is always calculated to maximize range. The system takes into account charging stops, weather conditions, and topography. While driving, artificial intelligence anticipates your next move. You no longer have to scroll through the menus in the EQS. This is thanks to what we call the zero layer. And no matter where you sit, you can take advantage of MBUX, enjoy a massage. In the front, watch a movie on the co driver's screen, or browse through all other MBUX functions in the back seat. To complete the electric driving experience, we have designed a specific soundtrack for the EQS. Some say the car sounds like science fiction. But the EQS can be also be totally silent, or it becomes your personal concert hall. Je suis so tellement excitée d'être ici avec vous aujourd'hui, à cette première mondiale. C'est une vibe. Je voulais chanter cette chanson appelée Authors of Forever, parce que je sais que nous créons notre forever. Et c'est ce que ça fait que nous créons en ce moment. Ok. Elle va nous en chanter une. Euh... <laughs> On va se faire striker par YouTube, là je le sens. Euh, je remettrai le son une fois que ça sera terminé. Ouais, je l'entends chanter dans mes oreilles là. Ouais, ok. <laughs> euh, on va voir si on en apprend plus après. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez déjà d'ores et déjà Moi, je trouve que on est au top du luxe là. Euh, c'est, c'est plus luxueux que les Tesla hein, pour. Euh, c'est, sûr, 100% sûr là. Euh, on voit l'intérieur. C'est vraiment la voiture de luxe avec le, les coussins. Euh, on, on est, on est clairement dans la, dans le top de la qualité euh, allemande là. Euh, si vous avez des questions, des remarques, mettez bien le @TeslaRiviera Tesla riviera comme ça je vois que c'est à moi que vous parlez. Euh, alors c'est bien mieux qu'une ID4, hein, la vraie offensive allemande. Ouais, non mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec une Model 3, euh, ça n'a rien à voir avec l'intérieur des Tesla, il hein, faut bien être d'accord. Là on est vraiment sur de la voiture luxueuse. Les Tesla, ils sont pas dans le monde du luxe. Donc ça n'a rien à voir avec, euh, avec les ID4. Euh... Et les autres voitures qu'on peut voir, je vais couper ça. Euh, ouais, c'est top. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Il faut qu'il travaille l'interface soft software. Après, c'est bon. Marc nous dit, bah moi, euh, on l'a pas encore vu l'interface software, donc on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Il faudrait la tester d'abord. petite batterie euh, la petite batterie c'est pas une petite batterie Ils nous ont dit 108 kilowatt donc c'est plus que une tesla. Là. okay elle a fini elle a fini. thank you very much alicia what a great way to celebrate this amazing car of course we will be happy to help you out with your collection with the eqs we set out to create the most sophisticated ev on the market and for us that's not the best solo performance. It's the perfect symphony. This symphony includes interior space that's second to none in an electric sedan, best in class aerodynamics and sustainability, and industry leading quality, safety, and comfort. It's high tech in a true luxury shell because all of this is what our customers expect from an electric S Class. And this is for you, world. I hope you enjoy this show. Thank you and bye bye. This is for you world. <laughs> bon. Euh, ouais, 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 ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Franchement, euh, je m'attendais pas à un intérieur aussi chouette. Pour tout vous dire, ça paraît vraiment comme une marque luxueux. On est vraiment dans la voiture luxueuse, Mercedes, classe S. Euh, même si la modèle S et le modèle X, je trouve, ont fait un pas en avant avec le refresh intérieur, avec les écrans à l'arrière, tout ça. Voilà, vous avez vu, c'est clairement un step au-dessus. En tout cas, pour moi, c'est un step au-dessus. Euh, et juste un truc pour dire j'ai vu pas mal de gens qui commentaient dans le chat. À chaque fois, on parle de Tesla, Tesla, mais. Euh, euh, le prenez pas mal, mais heureusement qu'il n'y a pas que Tesla dans la vie. Il hein. y a des gens qui détestent Tesla, il euh, y a des gens qui ont pas envie de rouler en Tesla, il y a des gens qui ont envie de rouler en Mercedes, en Porsche, en BMW. Et de toute façon, il faut que les autres s'y mettent. Donc euh, on peut pas toujours tout, tout le temps comparer à Tesla. Euh, moi, je trouve que c'est très bien si on a envie que le monde entier fasse une transition vers les énergies renouvelables et la voiture électrique. Je trouve c'est très bien que Mercedes s'y mette avec un bon produit. Et tant mieux s'il est bon. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça. Euh, je ne suis pas du tout de la famille du, du bashing, euh, absolument. Il euh, y a des choses qui sont mieux chez Tesla, il y a des choses qui sont mieux chez les autres, il euh, y a des choses qui sont identiques. On s'en fout du moment où tout le monde y trouve son compte et, euh, et, et que euh, les voitures sont vendues, qui sont vendues sont électriques. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. C'est mon, mon, mon avis plus global sur la, la question. Je voyais tout à l'heure sur les groupes Facebook, ça s'emboucanait euh, entre les gens qui ont des Tesla et les gens qui n'ont pas des Tesla. C'est toujours un petit peu la guerre. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut... Il faut sortir de ce clivage. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez. Salut Christophe. <laughs> Je suis content de te voir sur le chat. Euh, les Allemands euh, débarquent. Oui, effectivement. Euh, Mercedes était vraiment à la traîne, à la bourre. Jusqu'à présent, leur truc, c'était pas terrible. Ils n'étaient pas encore. Je pense qu'il manque encore BMW, hein, qui n'est pas vraiment lancé dans la, dans la marche. Mais euh, Mercedes, là, ils y sont clairement. Volkswagen groupe on sait qu'ils y sont aussi. Donc là, c'est plutôt bien ce que j'ai retenu. Donc c'est une voiture assez performante qui pourra faire 770 km en WLTP. C'est juste incroyable. Charge à 80%, corrigez-moi, en 15 minutes. Il parle d'une batterie de 108 kWh. 108 kWh, c'est pas mal. On va faire le calcul. Quelqu'un pouvait faire le calcul vite fait euh, 108 kWh euh, pour 700, euh, 770 km, ça fait quoi comme consommation Il y a bien quelqu'un qui a une, une calculette là qui va nous faire le petit calcul, ça serait bien de le marquer pour avoir la conso globale. Euh, ça serait top pour l'efficience. Qu'est-ce qu'on a vu aussi bon, elle va être, euh, Il y a un système de conduite autonome, hein, visiblement, assez simple, on a vu le volant. On a vu que comme sur une Tesla, on a l'écran, il y a un énorme écran, mais il y a cet écran central qui ressemble euh, en taille à l'écran d'un iPad, hein, qui a un écran dans l'écran. Donc il va y avoir de l'entertaining aussi, je pense, qu'on va pouvoir avoir les Netflix et tout quanti. Il y a des écrans à l'arrière, et je crois qu'il y a un écran aussi en option dans la couloir centrale, euh, côté passager arrière. Ça a l'air d'être top. Qu'est-ce que vous en pensez de l'intérieur On a vu aussi oui, le CX qui est de point .20. Euh, je crois que les Tesla, le modèle 3, c'est .23, il me semble. Donc, on est mieux. C'est plus efficient qu'une Model 3. Euh, 15 kWh au 100 environ. OK. OK, OK, merci pour l'info. 15. Euh, 15, c'est bien. Hein. 15, c'est bien. Il faudra voir, euh, 15, euh, faudra voir sur autoroute. Mais euh, vous imaginez, même si on arrivait à faire 550-600 km réels sur l'autoroute, c'est vraiment un changement total. Hein. On s'arrête à un Ionity... Euh, et on charge un quart d'heure. J'ai pas vu la vitesse maximum de recharge. Est-ce qu'ils l'ont dit Est-ce que je l'ai raté 14, on me dit. Ok, 14. Est-ce qu'ils ont dit la, la vitesse maximum de charge Mais en tout cas, pour charger aussi vite, ça veut dire qu'on doit être en moyenne à. On doit être en. Je sais pas, à 150 en moyenne, un truc comme ça, pour tenir. Parce que les Kia, la, la nouvelle Kia Hyundai, c'est une batterie plus petite. Et ils arrivent à charger à 130 en moyenne, un truc comme ça, pour faire en 18 minutes. Donc ça doit aller hyper vite, hyper vite. Et en plus, il y a un an euh, offert avec euh, Unity. Donc ça, c'est bon. Je pense que maintenant, le réseau Unity, d'après moi, va vraiment trouver sa place. Maintenant qu'il y a les Volkswagen qui sortent, maintenant qu'il y a les Mercedes qui sortent. Je pense qu'il va trouver enfin sa place et qu'ils vont aussi réinvestir maintenant dans ce réseau. Au départ, ils ne savaient pas trop, quand ils ont lancé Unity, est-ce qu'on investit beaucoup dans des bornes ou pas Maintenant, s'il si commence à y avoir de la demande, commence à faire des ventes, je pense qu'on va voir Unity qui va, qui va continuer à, à croître et qui va peut-être avoir un coup de boost. En tout cas, c'est ce que j'espère. Euh, ce que je pense de l'intérieur, Didier, avec un, un smiley, avec euh, les yeux en forme de cœur. Ouais, 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 c'est très, très beau l'intérieur. Ce blanc comme ça, là, vous avez vu avec les, les accoudoirs et avec les, les, petits, euh, les petits coussins, là. Pouf, ça a l'air top. 200 kWh hein. Non. 200 kW par heure. 200 kW. C'est 200 kW la vitesse maximum de charge sur cette voiture euh, Ouais. Ouais, ouais, ouais. Maintenant que vous me le dites, c'est ce que je crois que j'avais vu. 200 kW, bon, ça va. Il va falloir voir la courbe de recharge. Mais pour arriver à tenir en 15-18 minutes euh, le 80%. Ça veut dire que la courbe de charge est assez plate. Hein. Et je crois que Mercedes produit. Ils produisent leurs propres cellules. Ils ont une usine de production de cellules. Ils ont dit la carbone neutre. Hein. Donc euh, intéressant ça aussi. Ils, ont, ils se mettent dans une démarche plus globale. Surtout que c'est une voiture produite en Europe. Euh, donc qui peut avoir un, une empreinte écologique meilleure que euh, si elle est produite euh, ailleurs sur la planète. Donc euh, c'est très intéressant tout ça. Euh... Alors, euh, qu'est-ce que vous me dites dans le chat Dites-moi, OK. il y a pas mal de monde là, on est 180. Euh, juste pouce en l'air, pouce en bas. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce qu'elle ne vous plaît pas Globalement, on ne rentre pas dans les détails, mais globalement, est-ce que vous trouvez ça cool Pouce en l'air. Ou est-ce que, bof, pff, ça ne vous intéresse pas, vous trouvez ça naze Pouce en bas. On va faire un petit concours. Pouce en haut, pouce en bas. Comme ça, on va voir ce que vous en pensez globalement. Euh, pendant ce temps-là, je regarde si vous avez fait d'autres questions. Euh, alors. Tout à l'heure, euh, michael les énergies renouvelables, c'est un prototype Non, c'est pas un prototype, hein. c'est une voiture euh, de série. Là, ce qu'on a vu, c'était la, la vraie voiture. On l'avait vue en camo, en camouflage jusqu'à présent. Mais ça, c'est la vraie voiture. Euh... J'ai un engouement. <laughs> J'ai raison. Bon ben bah, bah, oui, bah, oui, moi je suis content quand je vois une voiture électrique qui sort surtout d'un grand constructeur. Ça me fait plaisir. Euh... Donc, la puissance sur Unity, vous avez marqué tout à l'heure, on a dit 200 kW. Bam, bam, bam. 700, 770 km. Putain, ça fait beaucoup, 770 km. C'est hallucinant. Euh, la Zoé 2013, 200 bornes. Après, un jour, on a dit Ouais, les voitures, elles vont faire 200, 300, 350 km. Waouh, ça va être fou. Pff, quelques années plus tard, 770. Wow. Là, il y, y a un changement de, de mentalité hein, qui va se faire. On va bientôt atteindre les, les 1000 km pour les voitures. C'est la mort subite pour la voiture électrique, pour la voiture thermique, ça. Je ne sais pas eh, combien ils veulent en produire par an, par contre. Est-ce qu'ils ont une capacité de production Est-ce qu'ils l'ont dit ou pas Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une plateforme qui va être dédiée pour les voitures électriques. Vous avez vu, ils ont fait voir euh, plusieurs tailles possibles. Donc ça, c'est bien. Hein, euh, si, euh, si elle ressort après pour d'autres véhicules, des voitures moins chères, des voitures... Euh, euh, des, des petites berlines ou des petites, euh, des petites citadines et qu'ils arrivent à récupérer cette technologie et la faire descendre dans des modèles plus abordables dans les euh, 50, 60 ou même euh, des technologies en dessous, ça serait top. Oh <laughs> Je vois vos pouces. Alors qu'est-ce que ça donne Qu'est-ce que ça donne majoritairement euh... Ok. Bon, il y a du pouce en l'air, pouce en l'air, pouce en l'air. Wow, une rangée de pouces en l'air de fou. Euh... Ils vont installer leurs bornes à côté des centrales électriques pour pouvoir fournir autant de puissance. Ben ouais, ou peut-être qu'ils vont mettre des panneaux solaires et des batteries, ça serait cool. Sur les stations Unity aussi. Alors il y a du pouce en l'air. Il y a trop cher. Mais on ne parlait pas du, du prix, là, on parle de, de l'esthétique et des infos qu'ils qu nous ont données. Globalement. Euh... Mais bon, trop cher, bon d'accord, ok. Mais bon, trop cher. C'est un peu subjectif du coup. Euh... Image, image en CGI, elle me paraît pas réelle. Ah bon euh, paraissait pas réelle. Euh, impossible, 15 minutes, 15 minutes. Full capacity, on récupère 50 kW. Donc moins de 50%. Bah, il me semblait qu'ils avaient marqué euh, 80%, non En 15 minutes. C'est pas ce qu'ils ont marqué Je me rappelle pas. Je vais aller regarder peut-être si quelqu'un a l'info. Euh. Ok, la réflexion, euh, ça ne me concerne pas, c'est pour les riches. Ouais, bah alors à ce moment-là, euh, si Tesla n'avait pas euh, concerné, parce que c'était pour les riches, la modèle S, euh, aujourd'hui, tout le monde ne pleurerait pas pour acheter une Model 3 à, à 36 000. Et tout le monde ne pleurerait pas aussi pour pouvoir avoir la modèle 2 que Elon, vous avez vu, hein, Elon, il n'aime pas du tout ce terme. Moi non plus, j'aime pas. Moi, je voulais appeler ça un truc genre modèle B pour bisexy ou un truc comme ça. Euh, donc, ouais, euh, ça c'est... Euh... Pas voir ça comme ça, il faut voir que c'est une technologie qui est développée, qui certes va coûter hyper cher à développer, qui va sortir dans des modèles qu'on pourra pas s'acheter, mais c'est parce qu'il y a des modèles qu'on ne peut pas s'acheter qui sortent aujourd'hui que la technologie permettra d'être évoluée et qu'on puisse les acheter dans, dans 5 ans par exemple. Si, comme je dis toujours, hein, si personne n'avait acheté de, de Model S en 2013, eh ben aujourd'hui on n'aurait pas de modèle 3. Hein. Euh, combien pèse le véhicule Je ne sais pas. Euh, alors on sait le prix. Genre, on va aller voir, je vais les voir sur le site euh, après. 2,5 tonnes 5. Uh, tonnes 5. mip 44 salut à toi. <laughs> euh... Bon ben bah, quand même globalement, globalement vous avez l'air d'être un petit peu hypé quand même. Euh, alors, on va voir est-ce qu'il y a encore des messages? 300 km d'autonomie en 15 minutes je crois. Ah c'est 300 km qu'il a dit Ouais vous avez peut-être raison. 300 km. 330 km. Bah, c'est déjà pas mal, hein, 330 km. Donc 330 km ça ferait la moitié de la batterie exactement. C'est ce, ce que tu nous disais tout à l'heure. Euh, 330 km. Pff. Et franchement, si on fait 330 km, disons que c'est 270 sur autoroute. Ouais, ça doit être une vitesse un peu comme les Tesla, comme les superchargeurs en, en moyenne, hein, je pense. Hein. Donc c'est pas mal ça. Ouais, conduite en Allemagne. Ça dépend à quelle vitesse on roule. Mais bon, euh, je trouve que 300 km et s'arrêter un quart d'heure, c'est acceptable. Hein. Pour moi, je trouve ça acceptable. Surtout, peut-être qu'il y aura des mises à jour logicielles et qu'après, ils arriveront à améliorer la technologie de la batterie et que ça soit plus... Plus à plat, on verra. Euh, ok, on va aller voir. On va aller voir sur euh, nos amis d'Automobile Propre. Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils racontent euh, Oh là, l'image, elle n'est elle est pas... Oups. Ouais, comme ça. Non, on va mettre... On va être comme ça. Hé hé, ouais, ouais c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'ils nous raconte Qu'est-ce qu'ils nous raconte? Est-ce qu'ils ont repris Est-ce qu'ils ont des informations qu'on n'avait pas Ah voilà, attendu en 2022. Euh, voilà, 15 avril, donc c'était aujourd'hui. 2022, donc l'année prochaine. Est-ce que c'est début ou fin 2022 Ça, je sais pas. Euh, je découvre en même temps hein, que vous. C'est pour ça que je me suis pas vraiment intéressé à la voiture pour pouvoir euh, vous faire euh, ce live. Euh, ta -da, -da, da version EQS en septembre 2019 au Salon de Francfort, blablabla... Euh, 12,3 pouces ok ah ouais l'écran géant il fait, il fait waouh 141 cm uh, c'est plus grand qu'une ma télé <laughs> c'est énorme et après au milieu on en a un autre qui fait 12,3 pouces à lui seul da, 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 da. Ok, ah non, c'est l'écran. Alors attendez, il y a un écran à 17,7 pouces et un écran passager de 12,3 pouces. Il y a combien d'écrans dans ce bain-chain là Alors, Le plus petit, ça... il y en a un derrière le... le conducteur, on voit là. Un derrière le conducteur, un central et un pour le passager. D'accord Ok. Alors, motorisation il y a deux versions. Donc, 450 plus version propulsion qui embarquera un moteur offrant 333 chevaux de puissance. 333 chevaux, l'autre jour, quand j'ai testé le Volvo, c'était 300 chevaux. Donc, ça va être un petit peu plus puissant, mais pas plus. Sauf que ça risque d'être beaucoup plus aérodynamique et plus léger. Enfin, tout à l'heure, vous m'avez dit euh, plus de 2 tonnes et quelques. On va voir si on a l'info là. Mais euh, ouais, c'est une voiture qui va faire le 0 à 100 en moins de 4 secondes. On est quand même dans les, dans les Tesla Performance là. Après, on en a un autre euh, transmission intégrale, incluant 523 chevaux, 385 kW. Ça, ça fait mal quand même. Hein. Euh, elle est bridée à 210 km/h. Poum, poum, poum. Deux batteries, 90 kWh ou Allez, 108. Ah, ça envoie. Hein. Ah, ça, c'est intéressant. Elle reste en 400 volts. Vous voyez? Le débat entre les 400 et les 800 volts, Mercedes, ils ont choisi de rester sur une architecture 400 volts. Alors que Unity, il monte en 800 volts. Euh, bon, le débat 400-800, moi je trouve que le 400, ça marche assez bien. Euh, et puis surtout, les chargeurs coûtent beaucoup, beaucoup moins cher. Donc le 400 volts, je ne pense pas qu'il sera détrôné par le 800 volts. Hein. Honnêtement, ça m'étonnerait. Surtout que c'est plutôt l'amélioration des batteries lithium qui ont un intérêt plus que le voltage. Euh, et je discutais avec les gars de chez euh, Proviridis Delta. Avec leur Delta, euh, la, la borne euh, Delta en 400 volts, euh, elle coûte X. Et la borne Delta l'équivalent en 800 volts, il coûte euh, 3 fois X. Hein. Donc, euh, vaut mieux rester avec des chargeurs en 400 volts pour quasiment la même chose. Mercedes offrira jusqu'à 200 kW de puissance DC. Euh, effectivement, 200 kW, ouais, bon, c'est bien. Hein, euh, encore, ouais, Tesla fait mieux, mais bon. 200 kW, euh, peut-être que c'est un premier G. peut-être que aussi ils vont pouvoir améliorer. Je vous rappelle que ma Tesla quand l'ai récupéré elle faisait 150, après ça fait 200 et après c'est monté à 250. Donc peut-être que là aussi ils vont pouvoir avec le temps améliorer, mais peut-être qu'ils sous-vendent un petit peu leurs produits, ça serait pas bête de leur part de sous-vendre le produit plutôt que d'en faire des caisses et qu'après qu'on teste les voitures et qu'on dise ah ah elle ne prend pas les 350 kW la Taycan !» et non donc, euh, bon, je le sens peut-être plus comme ça, ils ont l'air un petit peu plus méfiants chez Mercedes. Courant alternatif, chargeur embarqué, 22. Ah, C'est bien ça, tout le monde se plaint qu'il n'y a que la et qui fait du 22 kW. Donc, vous voyez, en AC, on prendra du 22, ça c'est cool. Cool, cool, cool. Lancement est prévu en 2022, toujours. Euh, là, 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 pour évoquer les tarifs. Euh, bon, alors ça, en fait, ça n'a pas été mis à jour, hein, cette histoire-là, on dirait, sur leur site-là. Autonomie, recharge, fiche technique. Qu'est-ce qu'on a dans la fiche technique, les amis Euh, ouais, le XC40 honnêtement. Euh, je sais pas si vous avez vu la vidéo. Il y a eu énormément de mauvais commentaires sur cette voiture et je comprends pas pourquoi. Euh, je sais qu'il y a Automobile Propre qui a fait une vidéo dessus. Euh, alors est-ce que c'est eux qui ont dit qu'elle consommait trop et que, euh, et que voilà Mais tout le monde me dit c'est un gros tank, c'est un gros veau et il surconsomme. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais moi, pour l'avoir essayé, le Volvo XC40, je me retrouve avec un truc comme 20 kWh au 100. Et vous verrez la version, vous verrez le test sur autoroute. Mais le test sur autoroute, il est vraiment pas mal. Pareil pour la montagne. Euh, donc, je ne sais pas d'où vient cette idée que le Volvo XC40 surconsomme, sachant que, ouais, il est lourd, mais il est super gros. Vous prenez un modèle X, euh, le modèle X, vous faites pas euh, celui qui arrive à faire. Déjà en modèle S, moins de 19. Chapeau. Euh, et si vous arrivez avec un Model X à faire euh, moins de 20-23, euh, bah là franchement, euh, vous roulez doucement. Hein. Donc euh, 20 kWh au 100 euh, sur le, le Volvo XC40, pour moi, c'était pas beaucoup. Qu'est-ce qui raconte donc, euh, tac, 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 ok, batterie 100 kWh, on ne sait pas ce qui est utile et pas utile, 700. Ah ouais, regardez, ça c'est bien ça. Alors en mixte, 700. Autoroute 557. Ouh, 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 ouh. Autoroute 557. C'est-à-dire que moi, là, je pars de Cannes, je vais jusqu'à Lyon passer et j'ai pas besoin de charger. Bah je charge une fois pour aller à Paris, ça veut dire Donc ça veut dire Paris. Moi, alors pour aller à Paris, il y a eu quasiment 900 bornes. 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que pour aller à Paris, je m'arrête une fois un quart d'heure, 20 minutes. <laughs> Vous imaginez, Cannes, Paris. 900 bornes, on s'arrête une fois, un quart d'heure, 20 minutes. Même en voiture essence, je m'arrête pisser, sans déconner, ou manger. Non, là, là, on est. C'est pareil. C'est pareil. On arrive à la même chose que l'essence. C'est énorme. Énorme. Un pouce bleu, un pouce en l'air. Et, et, et likez la, la vidéo si vous trouvez ça énorme aussi. On a des voitures qui sont maintenant. Oh les gars, on a des voitures qui sont aussi rapides que l'essence. On prendra la, la thermique et la électrique. Si le mec doit s'arrêter pour manger. C'est le mec qui va faire de l'essence qui partira plus tard. Parce que le gars il va falloir qu'il s'arrête de manger, qu'il s'arrête de mettre de l'essence. Alors que le mec qui va manger, il va juste s'arrêter pour charger et manger en même temps. Vous voyez, voyez l'histoire Il y a une étape en moins à faire. T'as un grand pouce en l'air, pouce en l'air, pouce en l'air. Euh, même en hiver, hein, 429. Et en ville, oh, en ville, 900 km. Mais c'est quoi ce délire 900 km et 650 Ouais, je connais pas mal de taxis qui vont euh, passer à ça. Hein. Tous les mecs qui ont des Mercedes euh, classe S, là, tous les gars euh, ici sur la côte qui, qui, qui font du VTC de luxe et tout ça, là, qui vont chercher les gens à l'aéroport, il va y avoir de la Mercedes électrique. Parce que j'ai parlé avec pas mal de VTC et, et de taxis, et pour eux, euh, Tesla, c'est pas assez luxe en fait. Une euh, modèle 3, c'est pas assez luxe. C'est vrai que l'intérieur, je suis le premier à le dire, hein, l'intérieur de la modèle 3, c'est pas luxe. Non, c'est assez simple, c'est sobre. On peut pas dire que ça soit une voiture de luxe. La Model S, la nouvelle, elle est plus luxe. Euh, mais la Model S, ouais, toujours pareil quoi. Elle coûte, elle coûte un bras et puis c'est, différent. Mercedes, ils ont cet avantage là qu'ils ont depuis des années, ils sont chez les taxis, les VTC, les gars. Donc là, maintenant, les mecs, ils étaient là, ah, je voudrais changer, passer à l'électrique, mais la Tesla, ah, ça marche pas trop, euh, je sais pas, machin. Là, les mecs, c'est bon, vous avez récupéré tous les taxis. Voilà, tous les taxis, les VTC, c'est bon. Si le prix est pas ouf, mais bon, je pense qu'il y a une version, il y aura plusieurs versions. Donc euh, ça, pour le boulot, les mecs, ils sont prêts à, à mettre du, à mettre du cash. Hein, tu, tu vois ce que je veux dire. Euh, ouais, le prix le, au -delà, au delà de 100 000. Mais si c'est ton job, tu vois, si c'est ton job. Que euh, t'es euh, es, es chauffeur euh, un peu haut de gamme, VTC haut de gamme et tout, mais mec, ta bagnole, tout le monde va vouloir venir dans la Mercedes électrique. Ah, tu vas exploser ta, ta ta clientèle. Enfin, moi je vois ça comme ça. Hein. Ouais, le XC40 il est lourd, mais il est plus petit que la ACX. Oui, il est plus petit, mais il est moins lourd qu'un qu X aussi. Hein. Le XC40. Euh... Ce que j'aime le plus, c'est le 22 kW en AC. <laughs> Comme ma S. Ah, t'as une modèle S qui est avec le double chargeur. C'est bien ça. Est-ce que ça sert beaucoup Je ne sais pas. Je ne sais pas si, euh, si c'est hyper utile, mais bon, oui, c'est vrai, c'est toujours mieux de charger plus vite. Hein, vous allez me dire. C'est toujours mieux. Euh, les, les Mercedes vont supercharger où bah, Elles vont supercharger à Unity. Le réseau Unity, il est quand même pas mal monté là. Il est pas mal monté. Est-ce qu'on a des infos en plus sur leur site là Actualité. Fais voir un peu. Il y a un truc là. Euh, il y a un truc là, mais je crois que ça me renvoie au lien. <laughs> ouais, ça me revient où j'étais. Donc ouais, il n'y a, a pas de news supplémentaire. D'ailleurs, c'est même pas la photo. Vous avez vu Automobile euh, Propre, ils n'ont pas changé la photo. C'est pas la, la, la photo qu'on a vue tout à l'heure. Par contre, l'intérieur, putain. visez-moi ça. Wow. Oh, c'est pas un truc. Ouais, non, mais là, les gars, là, c'est luxe. Là, vous n'allez pas à me dire, euh, je suis le premier à défendre Tesla, c'est génial. Hein. La tech, euh, la boîte en elle-même, elle est top. Okay on, on est d'accord. Mais visez-moi ce truc. Vous n'allez pas à me dire que entre mercedes là et Tesla, faut, ouais, faut, au bout d'un moment, il faut, faut le reconnaître. On n'est pas dans la même, on joue pas dans la même cour là. Putain, c'est magnifique, sérieux. Pouh, à cet écran au milieu là. Oh, on dirait un vaisseau spatial. On dirait une limousine. C'est un truc de dingue. Ah oh, Moi j'adore. Franchement, j'adorerais monter là-dedans. L'avoir peut-être pas parce que ça me sert à rien. Honnêtement, j'en ferais rien d'une bagnole comme ça. Mais de savoir que ça existe, c'est ouf. ouf. Wow. Et l'écran là, oh, yeah, yeah. oh, c'est magnifique. Non, oh non, on ne peut pas dire que c'est pas beau. C'est pas possible. Là, euh, d'un point de vue esthétique, c'est beau. Il faut déconner. Est-ce que le toit, il est, il est ouvrant là Ça, Il a l'air ouvrant, non Ça, là. Oh là. Vous voyez là On dirait qu'il y a des boutons là. Ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est ouvrant. Mais cet écran du milieu. Oh, ça fait un effet 3D en plus. Bon, c'est trop beau. Ah ouais ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Je suis moins fan, par contre, des turbines. Là. Vous voyez les aérations hein C'est... Ouais, OK. Bon, ça fait, ça fait aviation. Ça fait cossu. Euh... Je sais pas. C'est peut-être le truc dont je suis le moins fan dans la voiture. Je suis moins fan de ça. Le truc qui, qui me plairait le moins. Enfin, bref. Euh, ouais, il y a du lourd chez Mercedes. J'ai hâte que ça sorte et... Euh... Petit message à mes contacts chez Mercedes quand ça sort. Vous me la prêtez s'il vous plaît <laughs> euh, D'ailleurs, je dois récupérer là le, le van, euh, le EQV bientôt. Ça va être cool. Je vais je vais prendre le EQV Mercedes et je vais faire l'aéroport de Nice, Cannes, euh, les hôtels de la Croisette pour voir combien de d'aller-retour on pourrait faire, voir si ça pourrait coïncider pour des hôtels. Ça sera assez chouette. Il y a 30 km donc, euh, ça fait 60 bornes aller-retour, un truc comme ça. On va voir combien de fois je fais l'aller-retour à l'aéroport de Nice par l'autoroute. Ça va être cool. Alors, il y a des questions, toujours pareil. Bombardez de likes, bombardez de likes la vidéo, ça me ferait hyper plaisir si vous bombardiez de likes. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, si vous avez des questions, mettez bien le tesla Riviera comme ça, euh, je vois que c'est à moi que vous parlez. Oh, le gros mot. J'ai dit quoi J'ai dit un gros mot je sais pas. On n'a pas les dimensions non plus. Euh, si on a les dimensions là, j'ai les dimensions. Euh, regardez. Pam. Voilà. Euh, ouais wow. <laughs> un peu grande, non? Ouais, 5 ,20 m 20 de long. Oh, c'est long ça. La te les Tesla, c'est 5 m. Model S. 5,20 m Oh, oh c'est super grand! Euh, ok, presque 2 mètres, 1m90 mètre de large, Bon, ça, ça me voilà. hauteur, c'est pas très haut, hein 1m52, pas haut. Hein Volume du coffre, euh, 610 litres. Ah ça va, 610 litres, ne pas me dire que c'est petit aussi. Ouais, 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 ouais. Oh, ça va être une belle bagnole. Belle bagnole top luxe. Pas pour nous, <laughs> mais une belle bagnole quand même. Avec, la... Avec une belle tech. Euh... 32 euros pour 200 km sur Unity, ça fait cher. Euh, pourquoi 32 euros euh, Parce que si on est chez Mercedes, c'est 20 et quelques centimes. Hein. 20 et quelques centimes, 29 centimes. Un truc comme ça. 29, 30 centimes du kWh. Donc. Euh... Je ne sais pas ce que tu comptes comme recharge, mais de toute façon, euh, on passe pas notre vie sur Unity. Comme on passe pas notre vie au superchargeur. Donc euh, cette bagnole, elle va coûter 10 euros les 700 km en chargeant le soir chez soi en heure creuse. La vérité, elle est là. Et quand on va vouloir faire vraiment des grands trajets, eh ben, on chargera sur Unity. Et même un taxi, il, il, le mec, il va pas faire euh, 1000 bornes dans la journée. Je crois qu'un taxi, je parlais avec un mec, qui font euh, 300 bornes, 300, 400 bornes par jour. Ils ont déjà fait une belle journée. À part si, ouais, le gars, tu lui demandes d'aller euh, euh, à Milan, quoi. Oui, effectivement, il va il va tracer. Mais en général, euh, les mecs, ils font euh, Nice, aéroport, Cannes. Euh, ils font quatre fois l'aller-retour dans la journée, quoi. Six fois 4, 24, hein, tu vois. Ils passent plutôt leur temps à glander à l'aéroport qu'à qu rouler. Euh... Ouais, la MIB44, exactement. C'est de classe S électrique. Donc, le top du confort, le top du silence, le top de la tech, le trio gagnant. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout à fait d'accord. Ils ont compris. Ils sont obligés, les mecs, de comprendre de toute façon. S'ils ne comprennent pas, ils savent très bien, ils ne sont pas cons. Hein. Ils savent qu'ils vont disparaître et qu'ils vont se faire manger par les autres. Donc, ils ont mis du temps à l'allumage, mais là, je trouve qu'ils ont un super produit. Euh, il faut que j'essaie l'ID4. Oui, je dois essayer l'ID4. Je dois tester toutes les voitures de Volkswagen Group, euh, tous. Mais là, euh, avec le nouveau confinement machin, je sais pas, ils sont en galère les gars. Et du coup, j'ai du mal à, à pouvoir avoir les voitures. Mais je vais tout tester, ID3, ID4, euh, toutes les voitures, euh, le Enyaq, euh, la Triplette déjà, Citigo et compagnie. Donc euh, ouais, ouais, ça, ça, ça va arriver, ça. Ça va arriver. J'ai eu le feu vert de euh, de, du grand boss Volkswagen du coin. Euh, maintenant, il faut arriver à caler des rendez-vous pour qu'il me prête les voitures. Euh... Sans compter la première année gratos sur Unity. Ouais, ben bah oui. Et le mec, il va prendre une voiture, il va la prendre en leasing pendant 3 ans. C'est ce qu'ils font, les gars. Hein. Il va la prendre en leasing pendant 3 ans pour son boulot, le taxi. Et le mec, il a un an gratuit sur Unity. Déjà, pendant un an, il ne paye pas. <laughs> Donc, euh, ouais, le deal est super bon. Le deal est super bon. Après, le reste, il chargera le soir. Mais pendant un an, le mec, il va bombarder sur Unity. Quoi. Et puis, s'il habite ici, le mec, il y a des Unity partout. Donc, euh, j'ai trois Unity à. Sur quoi 100 km. 100 km d'autoroute, il y a trois Unity. Et ils vont en installer d'autres. C'est une limousine, ouais, grave. Ah, Jean-Marie, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Un comparatif EQS Dacia Spring. Ouais, si vous voulez, on peut faire un, une drag race, si vous voulez aussi. Ça, ça serait cool. J'ai la, la, terminé la, quasiment la vidéo pour demain de la Dacia de la, Spring. Euh, allez, je vous le dis, le 0 à 100, le 0 à 100, euh, je l'ai fait en 16 secondes. 16 secondes, c'est drôle ou pas? Ouais, moi je trouve ça hyper drôle. C'était drôle sur l'autoroute, mais euh, je me suis pas traîné, hein. j'ai pas eu d'accident, vous voyez donc tout s'est bien passé. Mais le 0 à 100, il se fait en 16 secondes. Le 0 à 50, 70, bon, il va assez vite, mais c'est vrai qu'après tu fais 95, 97. Elle a, elle a du mal à accélérer après, mais euh, elle y va. va. Euh, j'ai même dépassé le 130, 132, un truc comme ça. Euh, mais vous verrez ça après. Euh, après-demain, ça, là, le test sur autoroute. Euh... Le modèle 3 chinois sur le site de Tesla, dans l'inventaire, il ne précise pas l'autonomie. Une idée J'en ai pas la moindre idée. Euh, c'est quoi comme... Euh... Si c'est une SR ⁇ c'est dans les 400 km, je crois, c'est ça Je sais pas. Ah il bah, y, y, y a Did Montigny qui me dit je serais bien content d'avoir un XC40. J'ai hâte de voir tes deux vidéos. Euh, tes deux autres vidéos, ouais, ça va arriver. Hein. Donc la montagne et sur l'autoroute. Là je vous mets d'abord les vidéos du, de, la, de la Dacia Spring parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Et après euh, je renchaînerai sur les autres vidéos, les, les suites. Ok. Ok, ok. Euh, donc, du coup, du coup, qu'est-ce que vous en pensez de cette voiture Moi, je, je suis assez pour quand même. Et ce qui me, me hype le plus, c'est qu'en fait, cette voiture, elle préfigure d'une technologie. C'est pas tant cette voiture-là qui est intéressante. C'est de voir que Mercedes a fait le virage, a pris le virage, et qu'en plus, ils vont maintenant lancer d'autres Ce C'est pas une plateforme pour une voiture. Donc là, ils sortent la top of the top. Et après, il va y avoir d'autres véhicules moins chers qui auront certainement moins d'autonomie. On va tourner peut-être dans des voitures qui auront des autonomies de 400 km, tu vois. Euh, des voitures qui auront une batterie peut-être 65, 70, qui n'auront pas tout la taille de fou. Même si je crois que l'écran central, il me semble qu'il a été fabriqué pour être plus ou moins standard dans les, dans les Mercedes maintenant. Hein. Il me semble, s'il si, y en a qui ont l'info dans le chat, je crois que c'est ça. Donc, on va avoir maintenant euh, plein de voitures Mercedes qui vont arriver. Ils ont, ils ont intérêt parce que Volkswagen, j'ai l'impression qu'ils sortent une voiture électrique toutes les semaines. <laughs> le groupe Volkswagen. Donc, euh, ouais, ça va être cool. Bonsoir, bonsoir. Qui vient d'arriver là Il y a Mika qui vient d'arriver. Salut, salut. Euh, Nabil qui dit bonsoir. Je ne sais pas si tu étais là déjà. Oui, je crois. Hein. Euh, salut à tout le monde. Merci d'être venu. Euh, voilà, donc on a vu euh, cette Mercedes. Je vous refais voir les photos, puis après on, on va se laisser là. S'il y a des questions, je vais les prendre euh, sur les vidéos que j'ai fait, sur euh, le Tesla en général. On peut discuter quelques minutes avant, avant de se quitter. Euh, je, je suis là, de toute façon, hein, tranquille. Euh, on, on va regarder euh, là, comme ça. Donc, l'intérieur, je vous ferai voir. Boom. bah je m'en lasse pas. Je ne me lasse pas de l'intérieur de cette bagnole. C'est très, très beau. Et euh, l'intérieur arrière. Et cet écran qui est oufissime, 140 cm. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Toute cette pièce, c'est une seule pièce en fait. C'est incroyable, incroyable. Une grosse bagnole qui va faire jusqu'à 900 km sur autoroute. On retourne dans les, dans les specs pour ceux qui ne l'ont pas vu. Euh, C'était où C'était où euh, C'était pas là. Merde. Ah ouais, on a le poids là. Effectivement, elle est lourde, hein. Vous savez pourquoi les elle est lourde aussi Parce qu'elle est vachement grande. 5 mètres, 5 mètres 20. Ah C'est hyper long. Hyper long. Euh, donc ouais, et puis alors, euh, on a une batterie quand même qui fait euh, plus de 100 kWh, hein. donc ça, ça envoie aussi. Euh, 200 kW, 200 kW. Consommation, vous voyez, il m'a entre 20 et 15. Entre 20 et 17. est ouais, fou. Il charge sur Unity, hop. Poum poum. C'est pas celle qu'on a vue, ça. Ou alors elle est en biton, là, elle est en deux tons. Ah, c'est peut-être celle-là, mais c en fait, on a l'impression que c'est pas la vraie parce qu'elle est en plusieurs couleurs. Mais Je pense que c'est elle. Ouais, ouais, c'est elle. Ah, voilà. Oh, vous avez vu le monstre Sans déconner. Oui, c'est une limousine. C'est ce que certains disaient tout à l'heure. C'est une limousine. Euh... Ouais, 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 ouais. Euh, les Allemands vont les dépasser dans le segment du luxe, oui, mais les Allemands ils vont, mais bien sûr, les Allemands vont rester dans le... t'as raison Christophe, les Allemands vont rester de toute façon, leur seul moyen c'est de rester sur, cette, sur ce positionnement hyper luxe que Tesla n'a jamais pris ils, ils ont jamais voulu être dans le hyper luxe euh... ouais, elle est belle hein non, non c'est un, une belle machine. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais euh, je trouve qu'esthétiquement, euh, voilà, ce n'est pas, pas un truc raté. Il ne faut, faut pas exagérer non plus. Il ne faut pas exagérer non plus. Il y en a d'autres photos là. Ah, il y a d'autres photos, regardez. J'avais pas vu qu'il y avait des photos là. Ah, c'est une Mercedes. Hein. Après, on aime ou on n'aime pas Mercedes. Quoi. Voilà, c'est le cul d'une Mercedes. Claire et net. Ça c'est joli. Moi j'aime bien cette barre lumineuse devant là. Vous en pensez quoi de cette barre lumineuse J'aime bien toutes ces barres lumineuses. J'aime bien la barre lumineuse du modèle euh, du, du, du Cybertruck. J'aime bien la barre lumineuse qu'il y a sur le Rivian. Je ne sais pas pourquoi. <laughs> ces, ces barres comme ça, ça me plaît. Je trouve ça chouette. Et les poignées rétractables, on n'en a pas parlé. Vous avez vu Tesla l'a fait. Mercedes, les copies, c'est pas cagué les mêmes Hein Ouais, carrément, c'est cagué les mêmes. Ça, c'est joli, ça aussi, là, cette espèce de, de vague là, comme ça. Chouette. Ça, là, on l'a vu. Ça, là, on l'a revu. Ça, là aussi. Ça aussi. Il n'y a pas d'autres photos, les gars Non, il n'y a pas d'autres photos. Mais en tout cas, vous voyez, là, il parle de la Porsche Taikan. Euh, franchement, entre la Porsche Taycan, bon, ça n'a rien à voir. Hein, mais d'un point de vue purement esthétique, si je devais noter, entre ça et la Porsche Taikan, bon, la Porsche Taycan, il y en a une au bord de mer, là, à, à Mandelieu, là. Un gars qui, qui, qui elle, elle zone dans le parking. Enfin, il vend, il vend des voitures de collection, machin, il y en a une. Je passe devant, euh, pff, ça m'excite pas des masses, hein, la tête d'une Porsche Taycan. Même l'intérieur, hein, ça me fait pas rêver. Tandis que ça, je l'achèterai pas, encore une fois, mais euh, j'aimerais bien monter dedans, faire un tour dedans. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Je trouve que c'est mieux abouti. C'est beaucoup plus chouette. Ouais, ouais, ouais. Allez là, merci la CQS. On cherchait quoi tout à l'heure Ah, on cherchait l'autonomie. La, la, pour faire voir pour ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui viennent d'arriver. Ben oui, 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 2,5 tonnes, 15 kWh au 100. Euh, ben s'il a été normalisé comme ça, à mon avis, de euh, toute façon, ils peuvent pas raconter n'importe quoi. Hein. Avant, on pouvait raconter vraiment n'importe quoi. Maintenant, raconter n'importe quoi, euh, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il euh, y a tous les youtubeurs de la Terre et tout le monde qui va venir les tester et ils vont passer pour des cons. Donc, euh, c'est pas dans leur, dans leur avantage de, de dire n'importe quoi, vous voyez ce que je veux dire? Euh, surtout sur des segments de niche comme ça où tout se sait très vite. Quand c'est un truc mass market, bah, tu trouveras bien un mec AliExpress, tu vends de la merde, euh, t'en fous, tu vois. Mais là, tu peux pas trop te permettre de rater le virage et de raconter de la connerie. Hein. Voilà, l'autonomie, 700 km en mixte. Voilà. Euh, en hiver, 500, même 500, c'est ce que fait la Tesla euh, quand il fait beau, quoi. Euh, autoroute 500, moi je fais 400 sur autoroute à 130 avec la mienne. C'est vrai qu'elle a un bon CX. Donc ma longue range elle fait 400, 400 bornes. Euh, râle la à... morte quand il fait bon. Hein. Euh, mais de toute façon vous allez me dire sur la côte d'azur il fait bon tout le temps. Mais donc voilà. Euh... Et moi ce qui ça me... qui me tue quoi, quasiment 1000 km. Ou même là 600, ne serait-ce que 600, c'est fou. Pour les taxis c'est fou. C'est un truc de dingo, dingo. Ouais, le CX.2.2 euh, le CX. Euh, la la modèle 3, c'est .23. Donc c'est encore plus efficient qu'une Tesla. Après, je ne sais pas niveau motorisation, mais euh, l'aérodynamique, c'est meilleur que Tesla. Ouais, il faut le dire. faut le dire, c'est vrai. Euh, je crois que c'est la première Mercedes qui me plaît, nous dit Nicolas. Ben bah, voilà, bah, applause, applause, applause pour Nicolas, applause pour Mercedes, Si c'est la première qui te plaît. Euh, il est beau ce Merco, Sylvain. Je tombe sur ce live par hasard. Ah eh bah ben voilà, ben merci, merci d'être là. Ça nous fait plaisir, Sylvain. Ben écoute, si ça t'intéresse, on parle ici de voitures électriques, euh, que de voitures électriques et de tout ce qui est Tesla, énergie renouvelable. Euh, je fais beaucoup de tests sur les voitures électriques, je fais des podcasts, je fais des interviews, de tout ce qui parle d'énergie renouvelable, de développement durable. Donc, bah, bienvenue à toi, merci. Merci, si tu veux t'abonner à la chaîne, bah, écoute, ça se passe juste là en bas. Et si tu veux laisser un grand pouce bleu, ainsi que tout le monde, comme ça, bah, des, gens comme, euh, vous voyez, des gens comme Sylvain, bah, l'algorithme... Euh, Sylvain Jean-Baptiste d'ailleurs. Ça va être Jean-Baptiste, son prénom. <laughs> euh, bah, comme ça, euh, bah, l'algorithme pousse la vidéo et il nous permet d'avoir et d'être une meilleure une meilleure visibilité. Donc merci à tout le monde de liker la vidéo, ça me fait très 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 plaisir. Euh, je vous dis juste au passage, euh, il y a le Tipeee que j'ai lancé, c'est en description de la vidéo, vous pouvez aller voir, pas de rush. Il y a des contreparties qui sont cool, parce que j'ai lancé un Discord. Le Discord aussi, c'est gratuit, vous pouvez aller le voir en partie description. Euh, ça permet de pouvoir communiquer avec vous plus facilement, avec la communauté. Donc c'est assez cool. Sur le Tipeee, il y a plusieurs grades différents. Vous allez voir, vous pouvez avoir les crédits dans à la fin des vidéos. Vous pouvez être aussi euh, avoir accès dans un Discord spécial où euh, je vais, euh, on va pouvoir discuter parce que je vais faire un, un zoom ou un Discord en, en vidéo une fois par mois. Donc ça c'est cool, ça nous permettra de pouvoir échanger, mais ça c'est réservé à un degré spécial dans le Tipeee. Je vous laisse aller voir. Et puis aussi on a la boutique T-SPRING qui est juste en bas. Voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, ça me fait assez plaisir parce que euh, j'ai acheté plein de trucs là récemment, euh, petite caméra, euh, des, des optiques, des machins. Je veux changer mon Mac et tout ça. J'ai refait là, vous le voyez pas, mais j'ai refait tout mon setup ici devant. Euh, si vous me suivez aussi sur Instagram, vous avez vu les, les travaux de mon, de mon setup. Je vais refaire le setup derrière parce que là c'est pas Ouf, hein, je vais tout refaire ça. Donc euh, voilà, j'essaie d'investir un peu plus dans le YouTube. Et, euh, et donc voilà, si vous voulez m'aider, eh ben, ça passe par, euh, par, par vos petits dons. Ça me ferait assez plaisir. Il y a aussi du membership hein, de, de YouTube. Si vous voulez faire un, un petit don, c'est par là que ça se passe, juste en bas. Ça serait très apprécié. En tout cas, voilà, moi j'étais très content d'être là avec vous aujourd'hui. Je vous rappelle que demain, on va faire la vidéo. Vous allez voir la vidéo du test de la Dacia Spring, voiture très attendue parce qu'elle fait aux alentours des 200 km, entre 200 et 300 km et elle coûte que à partir de 12 000 12, 000, 12 500 euros jusqu'à 14 100 pour la version la plus haut de gamme mais ça reste quand même du Dacia donc vous allez voir, toc toc, full plastique mais ça reste intéressant quand même à voir. Samedi, il y a la vidéo de l'essai sur autoroute et après je réenchaîne, j'ai fait aussi la Mazda la Mazda MX 30, je confonds avec le XC40 de Volvo. Donc, cette voiture-là, je vais vous la faire voir aussi. Trois vidéos comme d'habitude. On fait l'essai au bord de mer, on fait le tour à la montagne et après on va tester sur autoroute. Comme ça, vous avez vraiment le panel complet pour vous faire une idée sur les voitures. Bon, je vous dis ce que j'aime, ce que j'aime pas, mais après, c'est à vous de décider et à me le dire en, version, en partie commentaire ce que vous aimez. Donc voilà, on continue. On fait pas mal de vidéos en ce moment de test. J'en profite parce que pendant le confinement, on me prête les voitures et moi, avec la chaîne YouTube, je peux bouger et il euh, n'y a pas grand monde sur les routes. Donc c'est plutôt un bon deal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à ce live improvisé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour des lives comme ça. Alors gardez bien un œil sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à faire retentir la cloche. Comme ça, vous êtes au courant quand je fais des lives. Je vous dis à bientôt. Merci tout le monde et on se quitte avec la petite musique de fin bien évidemment on est quand même Tesla Riviera donc on vous fait voir des Tesla bye bye tout le monde